Bonjour à toutes et tous, bienvenue aux nouveaux abonnés. J'espère que vous allez tous très bien, que vos vacances ont bien démarré et qu'elles vont très bien se dérouler. Alors, je viens vous présenter le dernier article que j'ai écrit à l'occasion de la nouvelle lune du 20, pas septembre, mais juillet 2020. Et cet article s'appelle Dharma. Alors juste avant, vous avez pu voir que je vous ai mis la petite affichette d'astrologie. Et puis, donc là, je vais juste vous essayer de vous présenter directement, parce qu'il y a l'éclairage, ça fait des reflets. Donc, j'essaie au mieux de vous présenter en vous expliquant comment ça bouge. Donc voilà, là je vais commencer par parler des planètes qui sont alors qui sont ici, voilà, dans le rond rouge. Donc les planètes lentes Pluton, Saturne et Jupiter. Et ensuite, quand je parlerai donc du Soleil, il faudra voir, alors le Soleil, attendez, c'est à l'envers. Il faudra voir ici le Soleil et la Lune, et puis en bas Neptune qui est ici, et puis Mars, et à côté la Lune noire. Voilà, donc ce sont les planètes dont je vais parler principalement, et puis vous avez au-dessus aussi du rond rouge, l'ascendant et la queue du dragon. Voilà, donc j'espère que vous l'aurez bien en tête. Allez, je commence. Donc aujourd'hui, je vais aborder l'amas de planètes en Capricorne. Donc je vous ai montré à l'instant les planètes lentes, Saturne, Jupiter, et puis donc Pluton, rétrograde toutes les trois, et en maison 1. Et aussi donc en maison 1, la queue du dragon qui est en conjonction avec l'ascendant en Sagittaire. Alors, ces planètes nous donnent l'opportunité de nous libérer d'erreurs, de mauvais engagements, de mauvaises intentions de la part d'autrui. Trois petits points. Et puis, donc maintenant, je vais aborder en fait chacune des planètes sous l'aspect rétrograde pour voir, pour différencier et pour vous expliquer comment elles fonctionnent quand elles sont rétrogrades. Et ensuite, j'en parlerai dans leur aspect global, toutes les trois, en aspect par rapport à la nouvelle lune. Donc Pluton rétrograde nous demande d'identifier et d'affronter avec courage nos démons intérieurs pour les éliminer. Il est notamment question de victimisation, de soumission et d'injustice subies ou que nous avons fait subir par le passé, dans un passé récent, donc dans cette vie-ci, ou antérieure, dans une vie antérieure. Peut-être nous faudra-t-il faire face à nos bourreaux personnifiés. Et entre parenthèses, qui sont nos bourreaux? Eh bien, ce sont nos propres démons intérieurs. Ensuite, Jupiter rétrograde. On parle ici de justice, mais de justice sociale avec l'idée de respect de valeurs communes, d'enthousiasme à en être porteur ou représentant. En Capricorne, c'est la discipline, la rigueur et persévérance à laquelle on se plie. Ensuite, Saturne rétrograde, autre forme de justice, celle du mérite, de la persévérance
et de l'implication, de l'engagement dans la voie ou le but que l'on s'est fixé. C'est l'idée que la rigidité n'est pas la rigueur. La rigidité est une fermeture et un confort émotionnel dans l'échange. Voilà pour ces trois planètes prises l'une à part de l'autre. Alors, d'un côté comme de l'autre, les idées de pouvoir que développent ces planètes rétrogrades en Capricorne sollicitent une extrême maîtrise de notre volonté à rester juste et lucide des impacts de toutes nos décisions et actes sur autrui, y compris sur nous-mêmes, en s'y reliant ou en y reliant sur l'effet du karma, à l'effet du karma qui en résultera. Alors, trois mots: discernement, maîtrise et lucidité. Du Capricorne, où nous avons à mourir symboliquement et renaître en Cancer, là où se trouve la nouvelle lune, l'opération de mort alchimique, entre parenthèses, la transmutation de la matière, même si on ne l'aperçoit pas physiquement avec nos yeux physiques, je précise, donc fermez la parenthèse, s'effectuera en arrière-plan dans la vie pratique, comme par exemple des circonstances judiciaires, légales, démêlées avec la justice ou administration institutionnelle, autres, débats, discussions, échanges amicaux, familiaux, sentimentaux, lors d'une rencontre où il peut s'agir de discussions à propos de la vision du couple, le statut de célibataire, eh bien, pourquoi on en est là, et l'aspect de vie antérieure, et donc dans ces vies antérieures, comment avons-nous vécu, comment avons-nous fait dans nos relations, dans nos vies relationnelles. Voilà. Alors, c'est la vie affective versus la vie de couple. Donc, vie affective, j'y mets bien sûr la vie juste amicale. Pour d'autres, ce peut être la confrontation avec nous-mêmes dans la prise de conscience ou la forte volonté de comprendre les lois sociales qui régissent notre quotidien. Ceci afin d'apprendre à mesurer la relativité de nos croyances, alors de nos croyances qui ne sont pas d'ordre spirituel. Je précise parce que quand on parle de croyances aujourd'hui, on le rapproche tout de suite aux croyances spirituelles, mais non, pas du tout. Ce sont souvent des choses que l'on se fabrique nous-mêmes et on s'y accroche. Voilà. Ce sont des idées, des illusions. Donc, et des principes et autres vérités bâties par nos soins et structurées par nos expériences. Donc, confrontation avec nous-mêmes et les autres pour nous renouveler et renaître en Cancer. Toujours Saturne, Pluton et Jupiter rétrograde, carré cette fois-ci à la Lune noire. La Lune noire apogée qui se trouve donc en Bélier en maison 3. Alors je vais essayer de vous remontrer sans qu'il y ait trop de reflets. C'est dans le rond jaune. Alors, voilà,
dans le rond jaune ici, la Lune noire et Mars. Nous pourrions avoir tendance à rechercher la dominance des situations avec force et puissance autoritaire ou de convaincre à tout prix. Ou à rechercher la priorité sur les autres. Ou à combattre les formulations des autres. Ou à nous appuyer sur nos expériences, nos bilans, nos remises en question qui peuvent avoir été perverties, déformées ou bien transgressées. Et aujourd'hui, nous disposons de la lumière de la nouvelle lune pour bâillonner et mettre fin aux rumeurs, aux dires malveillantes à notre sujet. Avec Mars en conjonction à la lune noire apogée et Mars qui est aussi carré à Mercure en maison 7, l'évocation d'arguments concrets, donc dans la maison 3, c'est l'évocation d'arguments concrets, donc dans la maison 3, tranchant avec Mars. Il peut y avoir un peu de virulence dans les propos, mais ce qui est sûr, c'est que cela a lieu avec détachement et un Mars qui montre moins de passion. On est très déterminé, mais avec froideur et contrôle. Nous disposons avec Mars, sextile à Vénus, d'un mode d'action différent de nos habitudes. C'est-à-dire que nous captivons l'attention par notre expression naissante et plus harmonieuse des sentiments affectifs ou amoureux, ou bien c'est que nous percevons mieux nos manques et pouvons déjà agir dessus pour les combler avec plus de facilité. Il reste tout de même, en tant que difficulté à gérer, l'aspect de Neptune rétrograde carré à Vénus, qui nous parle de perte et de réfutation d'un comportement inadapté. C'est un aspect carré, donc maison 2. Donc, on évoque l'existence en nous de principes, concepts, rêves, idéaux, sur-idéalisés, ou bien de méthodes utilisées à l'excès, d'images obsessionnelles utopiques, d'idées persistantes mais révolues. Alors, dans cette vie présente, hein, donc rêve, il y a des rêves ou mais en rapport avec Neptune. Neptune rétrograde, hein, carré à Vénus toujours, hein. Donc on peut avoir, donc c'est parce que c'est la maison 2, il peut avoir donc des rêves ou mémoires de richesse, de fortune, des rêves ou mémoires d'amour fou ou faux, des rêves ou mémoires d'une vie d'insouciance, de naïveté, mais malgré tout harmonieuse, de rêve d'un amour absolu, d'un amour inconditionnel. Avec la rétrogradation commence à poindre que quelque chose ne va pas dans notre attitude, nos créations, nos imaginations et tous nos rêves que je viens d'énumérer. Ces deux aspects seront revus et confirmés par nous lors du premier quartier du 27 juillet prochain. Toujours avec Neptune rétrograde, mais cette fois-ci en aspect sextile avec Saturne, Pluton et Jupiter rétrograde en Capricorne, c'est la possibilité justement
de commencer à combler plus adéquatement le voile qui se soulève sur notre réalité naissante. Puisque Neptune a pour fonction d'éliminer justement le voile de l'illusion. Donc là, il faut revoir la fonction de chaque planète que j'ai énumérée tout à l'heure, tout au début de l'article, pour Saturne, Pluton et Jupiter, qui rétrograde. Et puis, nous avons encore la confirmation d'un nouvel état d'esprit en pleine croissance avec Uranus sextile à Mercure. La queue du dragon est en conjonction avec l'ascendant qui est trigone au fond du ciel. Ces deux portes étant en trigone nous montrent et nous donnent un programme à développer durant le cycle lunaire. Dissoudre, dissiper nos mémoires d'identité karmique, c'est-à-dire de nos vies antérieures. Cesser de combattre et de s'identifier à des frustrations d'enfance. Alors, entre parenthèses, Mars carré à Mercure en Cancer. C'est pourquoi il faut avoir beaucoup de détachement sur notre passé douloureux et traumatisant. Cesser d'être en conflit permet la libération et la valorisation de soi sans la victimisation. C'est sortir de la dépendance affective et entrer en résilience avec soi. On va dire le pardon chrétien, mais pour soi. Prenons le temps qui nous est imparti pour nous imposer une réflexion avec axée sur nos choix et décisions que l'actualité si particulière nous a imposé de faire. Les temps de suspension que nous offre la vie, l'univers, sont toujours des cadeaux pour affronter l'arrivée de temps forts et intenses à supporter. C'est ainsi que s'effectue la respiration zodiacale faite de devoirs, de grandes lois, de principes et de recréations. Alors voilà, c'est fini pour la lecture de l'article en question pour la nouvelle lune du 20 juillet 2020. Je vous remercie pour votre écoute et je vais vous donner quelques petites dernières annonces. Donc, il y a toujours le jeu qui va jusqu'au 20 juillet prochain. Donc, pour les personnes qui sont intéressées, elles peuvent s'inscrire sur ma page Facebook, aller sur ma page Facebook, s'y inscrire et cliquer sur la petite partie bleue pour envoyer un mail disant qu'elles veulent participer au jeu. Voilà. Là, c'est la petite affichette que j'ai fait passer au tout début de la vidéo. Et puis, je rappelle qu'il y a le 20 août prochain, donc une conférence que j'organise. Sur laquelle je vous donnerai un rendez-vous. Je pense que peut-être je ferai, je pense que je la ferai en direct de toute façon, puisque j'espère que vous participerez pour venir parler des oracles et des tarots qui vous sont favoris, comment vous les utilisez, et puis donner d'autres informations que vous avez envie de partager. Voilà pour donc cette conférence du 20 août 2020. Ensuite, une autre information pour cet été, puisque j'avais dit la dernière fois que le programme, je le change durant la période estivale. Donc, je pense que je vais faire
au lieu du love yourself, love myself, love life, je vais faire donc un spécial célibataire. Et puis une autre vidéo spéciale pour les couples, donc pour l'aspect sentimental. Et puis alors surveillez donc la petite messagerie sur YouTube où je mettrai des informations, et puis également la page Facebook où je mettrai également des informations. Surveillez les deux. Voilà. Et puis l'information selon laquelle la vidéo de contact défunt n'aura pas lieu, donc celle pendant la période estivale, je la reporte sur le mois de novembre pour la prochaine vidéo qui sera faite à ce propos, contact défunt. Et voilà, c'est tout. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous retrouve donc à l'occasion de la vidéo que je vais faire pour le 27 juillet, pour le premier quartier du 27 juillet. Et donc dans cette vidéo qui sera postée un peu avant, aux alentours du 22 et du 23 juillet, puisque je veux y inclure le tirage au sort. Dans cette vidéo, je veux y inclure le tirage au sort pour le jeu. Voilà. Même si les personnes qui ont gagné seront averties par mail. Mais je voulais inclure quand même la petite vidéo qui montre le tirage au sort. Voilà. Eh bien, je vous remercie. Prenez soin de vous, corps et esprit. Et puis, je vous dis à très 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 bientôt. Au revoir à tous et à toutes.